Donc la planche D, on va détacher. Gravure à l'extérieur. D2. D1. D11. Deux pièces. Gravure
D3. D4. D5. D9. C'est bon. D10. D8. Donc les deux côtés c'est pareil, donc. Mais on voit des traces de soudure, de brûlure ici, donc comme ça. Bien tenir avec toute la paume de la main pour ne pas faire casser, qu'on plie, on courbe, donc on insère. Faire très attention. Je fais rentrer jusqu'au bout. Je fais courber avec toute la paume pour que ça casse pas facilement. Et en même temps, je maintiens ici, toujours avec la paume, pour qu'il ne casse pas. Fais rentrer doucement, tout doucement, ça permet de le coincer. Et appuyer. J'appuie et en même temps serrer jusqu'au bout tout doucement. D12, D17, D16. La baguette à découper en 4 morceaux de 1,5 cm pour chaque morceau. Je traçais des traits 1,5 cm 4 fois.
D17. D16. D15. Je vais rentrer la partie centrale. Attention, on fait en même temps. Donc, je maintiens un peu la courbure. Je maintiens toujours comme ça. Branche E. E5, deux pièces. Thank you.
A4. Ça bloque tout le planche afin qu'il ne bouge plus. A7. Il faut faire rentrer tout le contour à l'intérieur en premier. Pour la queue, dernière partie de la baleine. E17. E16, deux fois. E15, E18, voilà, bloquer l'ensemble. Ça bouge plus. Les deux pointes vont être bloquées ici, ensemble. C'est bon, rentrez. Une partie la queue, deuxième partie avant queue, troisième partie au centre avec la tige, quatrième partie avant tête, pareil, inséré, forçant légèrement, et dernière partie, cinquième partie, la tête de la baleine. Donc,
Il faut insérer la tige dans les deux cercles. Sans casser. Voilà. Donc la tête, cinquième partie. Donc insérer pareil. Mais avant ça, je vais peindre la baleine. Thank you.